bon penser, moi, la indépendance, pas pour non, en 1968. Si pas tiens dans CAM, et si pas tiens dans baisse nous un système, pas pour non, l'indépendance en 68. Tiens, maintenant, l'indépendance après, mais 68, pas pour non. Parce qu'il y a élection, pas pour gagner. Mais dans doute, nous sommes tous fiers. Nous faisons faire beaucoup de progrès quand nous sommes sortis, quand nous venons. On va prendre des demandes statistiques, etc., c'est évident. Je pense que finalement, dans sa période 50 ans-là, beaucoup de missed opportunities. Nous sommes capables à faute pour payer des gens qui vivent dans sa situation, qui peuvent vivre au beau montagne, par exemple, dans Vallée Piteau, dans Trangbar, pour ne prendre que ces deux exemples. Il y a de la honte pour Maurice. Depuis 50 ans, il n'y a pas de sens. Un tel qui besoin gagne tel poste, un tel qui besoin gagne l'autre poste. Tant nombre besoin de telle communauté besoin là-bas, tant nombre de telle communauté besoin ici. Nous pas de récit faire lui. Et ça, nous pour récit faire lui, c'est notre missed opportunity. Si nous finissons à amende nous système électoral, combien les temps nous peut causer. Et c'est pourquoi que le communalisme encore peut continuer. Et enfin, le problème de la drogue. Qui c'est qui l'âme sangline nous a révélé? C'est qui, encore une fois, qui manière ben, l'institution qui s'y posait pour faire respecter la loi à travers certains individus, qui manière sa bonne institution là une pervertie. Que nous ne pouvons connaître qui s'en a nous prenons confiance, qui s'en a pour défendre nous, qui s'en a pour défendre le trafic en la drogue. Qui quantité involve, nous impliqué là-dedans. Donc ça, c'est mon regret qui nous capable dedans après 50 ans. D'indépendance. On a beaucoup d'espoir parce qu'il me fait confiance à la jeunesse. Peut-être silencieuse, ben un peu trop. Mais on a confiance quand même qu'il y a dans les choses qui peuvent bouger et qui nous pas besoin beaucoup de choses. Nous besoin des trois affaires qui nous fait, qui capable redonne l'espoir.